tous. Aujourd'hui, je reçois le fondateur de Jazz à Vienne, un festival qui a été fondé il y a 40 ans, qui fêtera ses 40 ans cette année par Jean-Paul Boutelier. Un festival qui a su se renouveler au fur et à mesure des années, en invitant les jazzmen américains lors des premières années et en programmant une programmation toujours plus audacieuse pour se renouveler chaque année. Jean-Paul Boutelier, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir ici. Merci pour avoir accepté cette invitation. Écoutez, c'est un plaisir de parler avec vous de cette musique. Jazz à Vienne, c'est avant tout le festival qui inaugure les premiers festivals d'été. C'est d'ailleurs au début de l'été que commence Jazz à Vienne. Oui, c'était un parti pris de justement de profiter d'une période qui était peut-être un peu plus disponible lors de la création de Jazz à Vienne. Les festivals généralement commençaient courant juillet. Et pour ma part, je voulais essayer de capter l'attention de gens qui n'étaient pas encore en vacances. Parce que c'est vrai que dans les festivals, on a plusieurs types de festivals. Il y a des festivals qui sont dans des lieux touristiques et qui sont un petit peu organisés pour les vacanciers. Nous, on est plutôt un festival urbain, c'est-à-dire c'est essentiellement des gens qui travaillent encore et qui, en fin d'après-midi ou le soir, se libèrent pour venir nous rejoindre. Vous n'avez jamais eu la tentation de changer les dates pendant ces 40 années. Ça a toujours été votre créneau de faire ça au début de l'été. Non, parce que je pense que ce point-là, la région lyonnaise est une région touristique, certes, mais c'est pas un afflux de touristes comme la Côte d'Azur ou d'autres régions qui sont coutumières des festivals. Bien sûr. Alors, Jean-Paul Boutelier, ces derniers jours, nous avons appris la disparition d'une grande voix du jazz. C'est Claude Carrière qui avait animé pendant des années le Jazz Club de Claude Carrière et Jean Delmas, qui a initié beaucoup de gens au jazz à travers ses écoutes de jazz diffusées en live. Vous vouliez lui adresser un petit mot? Oui, mais j'ai eu la chance de croiser Claude Carrière. On a beaucoup parlé de Duke Ellington, vous imaginez. Et il a souvent été présent justement dans notre festival lorsque Duke Ellington était mis à l'honneur. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le rencontrer, à l'apprécier aussi parce que c'était quelqu'un de très pertinent sur l'histoire de cette musique. Et puis c'était un pianiste intéressant qui, je crois qu'on l'oublie un peu, mais il jouait très bien du piano aussi. Et d'ailleurs, quelqu'un qui connaissait la discographie de Duke Ellington comme personne, il avait animé cette émission Two Duke pendant une dizaine d'années. Ça s'est jamais refait, ça, dans les émissions de radio, d'animer une émission aussi longue sur un artiste. Oui, effectivement. On a eu des cas un petit peu aux États-Unis avec Coltrane, mais effectivement, c'était un vrai amoureux de Duke Ellington. Il avait une connaissance. Il aimait. Enfin, j'aimais bien un petit peu le chahuter de temps en temps en essayant de trouver des points de l'histoire de Duke ou des points de cette musique de Duke qu'il ne connaissait pas, mais je crois que je n'y ai jamais Incollable. arrivé. Il était incollable. Alors, Jean-Paul Boutelier, moi j'aimerais connaître, bien sûr, on vous connaît tous comme le fondateur de Jazz à Vienne, mais les gens ne savent peut-être pas qu'il y avait aussi Jean-Paul Boutelier qui avait créé un jazz club à Lyon avant Jazz à Vienne. On va en parler, bien sûr, mais moi la première question que j'ai envie de vous poser, c'était quel est votre souvenir d'avoir écouté un disque de jazz, la première fois que vous avez écouté du jazz? Alors, ça remonte de façon très ancienne. Je pense qu'il y a toujours eu moi, j'étais dans une famille, j'étais le dernier des enfants de la famille, et il y a toujours eu un peu de jazz, essentiellement comme musique de danse pour mes frères et sœurs aînés. Mais le souvenir qui est le plus fort pour moi, le choc un petit peu, c'est un disque de la Guilde. À l'époque, la Guilde faisait des compilations. Et mon souvenir d'émotion la plus forte, ça a été Charlie Parker avec Relaxin' at the Camarillo, qui était pour moi, ça a été une découverte à la fois de Charlie Parker, de cette musique
qui était différente de ce qu'on écoutait à l'habitude pour, comme musique de danse, qui était souvent des Glenn Miller ou des grands orchestres ou des choses plus directement liées à la danse. D'accord, Charlie Parker, donc plus attiré par le bebop qu'au final du New Orleans ou d'autres styles. Moi, je ne faisais pas encore la distinction des styles, parce que c'est venu après, parce que j'avais une grande... Ça m'a provoqué une grande curiosité par rapport à cette musique. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai eu envie de tout connaître. Enfin, c'était un désir un peu vorace. Je ne sais pas si ça m'a d'ailleurs, ça ne m'a pas trop quitté. Cette voracité, je n'étais pas musicien, et cette voracité, elle s'est surtout manifestée dans l'achat de disques, la fréquentation de concerts, de clubs, etc., etc. Alors pour moi aussi, ça a été un vrai choc d'écouter Charlie Parker, et c'est ce qui m'a aussi donné envie d'en savoir plus sur cette musique. Donc voilà un point commun entre vous et moi. Est-ce que avec ce choc musical, en écoutant Relaxing at Camarillo, vous vous disiez déjà, plus tard, c'est ce que je veux faire, je veux organiser des concerts de jazz? Non, c'est venu plus tard. Non, à partir de cette écoute... c'était même plus qu'une écoute, parce que je crois que le disque est plus qu'usé et que j'en ai acquis beaucoup d'autres exemplaires pour les user à leur tour. Non, j'ai eu envie de connaître, d'essayer d'avoir un panorama le plus complet possible de cette musique que j'apprécie beaucoup. J'ai jamais été trop sensible au New Orleans, ça je le reconnais. Bon, j'en écoutais, mais j'ai jamais vraiment complètement... J'y suis jamais allé complètement, sauf quelques musiciens, quelques solistes. Bon, bien sûr, Armstrong, des gens comme ça, on ne peut pas être insensible à cette musique. Mais c'est surtout à partir de Charlie Parker. Charlie Parker m'a ouvert les yeux par rapport à Kansas City. C'est normal, puisqu'il en était origine, mais j'ai eu envie de connaître Kansas City. Et j'ai été un fan de Count Basie. Je jurais que par Count Basie, après avoir découvert Charlie Parker. Donc il y a eu cette période, et puis derrière, il fallait connaître Ellington, donc j'ai eu cette période un petit peu swing, grands orchestres, qui m'a pas trop, j'en suis toujours fan, mais petit à petit, on découvre autre chose, et puis avec l'âge qui... J'étais très jeune quand j'ai découvert ça, je devais avoir 13-14 ans quand même. Oui. J'ai découvert les autres artistes qui devenaient à la mode, parce que le jazz est devenu... Il y a eu une mode du jazz en France avec l'arrivée des Jazz Messengers, de Miles Davis, du Modern Jazz Quartet, etc. Donc je suis tombé là-dedans par ces musiciens, et puis grâce à... Moi j'habitais Lyon, et il y avait quelques concerts où on voyait assez régulièrement Errol Garner, par exemple. D'accord. Blackie, des musiciens comme ça. Et finalement, le bop est arrivé assez vite. Enfin, le hard bop, surtout, est arrivé assez vite dans ce que j'aimais. Puis est arrivé Coltrane, et ça a suivi. Cette soif était toujours assez délirante, et... toutes mes économies, j'avais vendu ma collection de timbres, enfin tout est passé dans l'achat de disques et dans cette... Ça ne m'a pas trop passé, je vous avouerai, je suis toujours un très, très gros collectionneur. Oui. D'accord, de vinyle. Alors ce qui est incroyable... Pas que de vinyle, parce que... Voilà. Vous avez grandi donc dans une famille de mélomanes, d'amateurs de jazz, mais pas que, parce que ce qui est incroyable chez vous, c'est que s'il y a bien des destins croisés entre un personnage et un lieu, c'est vous, Jean-Paul Boutelier, parce que quand vous étiez jeune homme ou adolescent, vous avez été au Théâtre Antique de Vienne, écouter du chant lyrique, déjà dans le lieu où, des années plus tard, vous allez organiser ce qui va devenir l'un des plus grands festivals de jazz en France, et vous avez même vu l'opéra Carmen, c'est bien ça? Exactement, mon père était féru de lyrique, et on allait souvent voir des opéras ou des opérettes à l'opéra de Lyon, mais j'ai le souvenir, je devais avoir 10-12 ans, d'être venu à Vienne voir Carmen. Le souvenir que j'en ai, c'est d'ailleurs au-delà de la musique, c'est qu'il y avait une mise en scène assez extraordinaire
Oui. Parce que, qu'on ne pouvait pas voir dans un théâtre ou un opéra normal, parce que je me souviens qu'il y avait des chevaux qui montaient sur scène. Alors, c'est d'accord. C'est tout que j'ai eu de, qui était resté très très fort dans mon esprit. D'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure au préalable, avant le premier festival de Vienne en 81, vous avez organisé des concerts de jazz à Lyon, dans un club, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire avec des amis, on a créé le Jazz Club de Lyon, c'est dans les années, la deuxième partie des années 60. Il y avait une double activité, on avait un lieu où jouaient des musiciens locaux essentiellement, et puis on faisait aussi, moi personnellement, je m'occupais plus, je faisais des auditions de disques, j'ai dû lasser énormément d'oreilles parce que je me souviens avoir fait un cycle Charlie Parker, justement, qui a dû durer à peu près 2 ou 3 ans. Ah oui? Oui, deux fois par semaine, je faisais des auditions de disques. Donc c'était... Mais aussi, j'avais surtout envie de faire venir des musiciens extérieurs, mm-hmm. et particulièrement des musiciens américains, parce que bon, j'étais, pour moi, c'était le rêve de rentrer en contact avec des musiciens venus de l'extérieur, qui étaient proches des musiciens créateurs, justement. Et de les faire venir à Lyon. Il n'y avait pas, à Lyon à l'époque, il y avait un autre club qui s'appelait le Hot Club de Lyon, qui était essentiellement tourné vers une cave où jouaient des musiciens locaux, de très très bons musiciens d'ailleurs, mmh. mais il y avait relativement peu dans leur volonté de créer des concerts ou de faire venir des musiciens. Mmh. Donc, alors il y avait quelques concerts à Lyon, mais dans un premier temps, ben, justement, notre activité, et la mienne en particulier, était de conseiller les salles qui faisaient de temps en temps dans leur programmation venir un musicien. Donc c'était soit de l'aide à la programmation, soit aller chercher les musiciens à l'aéroport ou à la gare, ou encore écrire des programmes. Enfin, c'était un petit peu cette activité dans le bénévolat qui déjà me permettait de connaître les musiciens et puis de savoir comment organiser finalement. Je pense que chez toute personne qui organise des concerts, il y a l'amour de la musique, l'amour des musiciens. Bien sûr. Mais il y a aussi la volonté et le goût d'organiser. Il faut pas le. Oui. C'est un plaisir. Il ne faut pas oublier cette partie-là aussi de l'organisation. De partager. Oui. Hein. L'organisation, c'est un partage. C'est surtout là-dessus que c'est important. Vous étiez l'un des pionniers, en fait, dans les années 60 à Lyon, de faire venir ces jazzmen américains dans les clubs. Ça a duré combien de temps et ça ne devait pas être facile, j'imagine? Alors, c'était, je ne sais pas si c'était facile ou pas facile. Moi, j'ai profité d'une période, je n'ai pas été le seul. Il y a eu ce qu'on appelait les tournées Black and Blue en France. Black and Blue, c'était un disquaire de Bordeaux qui a fait venir des musiciens qu'on ne voyait plus et qui les faisait tourner essentiellement en France et profiter de leur venue pour les enregistrer et donc sortir des disques. Cette activité était relativement nouvelle. Ça a été repris par d'autres labels et d'autres tourneurs derrière, mais à l'époque c'était assez nouveau. Et Black and Blue, moi je les ai connus très vite. Et ils avaient l'avantage de ne pas se concentrer uniquement sur Paris et certains clubs parisiens. Ils avaient vraiment la volonté de complètement explorer la France et d'aller à Villeneuve-sur-Lot, à Agen et à Lyon aussi, parce qu'ils trouvaient des volontaires. Et donc, c'est très vite, je les ai connus. Cette activité, d'ailleurs, ils ont été repérés par Georges Wynne assez rapidement. Mm-hmm. Parce que Georges Wynne a toujours été étonné de voir que ce petit disquaire arrivait à faire autant de tournées en France, ouais. et à faire autant d'enregistrements qu'il ne se fait. Enfin, les Illinois Jacket, les Arnett Cobb, etc. Même Hampton avait un peu disparu des circuits américains et il jouait en France et il faisait des tournées et ils allaient dans des petites villes, etc. Donc Georges Wynne les a vite repérés et ils ont collaboré en France ensemble, notamment au Festival de Nice. Bien sûr, Georges Wynne, dans les années 70, il a participé à faire revivre la grande parade de Nice, qui est redevenu l'un des festivals les plus fréquentés à cette époque-là. Qui était le festival majeur en France à l'époque. Et en plus, Georges Wynne était le principal
pourvoyeur, si je peux m'exprimer ainsi. De talent, bien sûr. Oui. Dans tous les festivals d'été, hein, que ce soit en Europe, mais aussi au Japon, etc. Et il était le patron de Newport. Bien sûr, c'était celui qui avait créé le festival américain. De Newport, bien sûr, on ne l'oublie pas. Et d'autres festivals américains comme la Nouvelle-Orléans, etc. Il y avait tout un circuit autour de George Wynne, qui était aussi quelqu'un de... Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais qui était aussi quelqu'un de très ouvert. Et moi, j'ai eu beaucoup Vous l'avez rencontré ? Bien sûr, bien sûr. Il m'a beaucoup aidé, George Wynne. Hein. Moi, je vous avoue que il ne nous a pas spécialement aidé pour les concerts lyonnais dont on parlait, mais pour la création de Jazzavienne, parfaitement aidé. En plus, George Wynne, il aimait beaucoup jouer au piano avec les musiciens, on va dire de la verve un peu New Orleans quand même. Mais malgré son goût, son attrait pour les grands orchestres swing et la musique de Louis Armstrong, c'était quelqu'un qui avait une oreille toujours attentive à la modernité. Il est resté toujours attentif aux musiciens modernes. Il avait un club à Boston, il a eu un label de disques avant d'être le tourneur que l'on connaît, mais c'était quelqu'un de très ouvert sur le plan musical. Et je pense que son style de piano était plus orienté vers le middle jazz que le jazz New Orleans. Il pouvait accompagner tout le monde, des boppers, des hard boppers. Enfin, il avait une ouverture d'esprit qui était très, très forte. Ce que l'on voit d'ailleurs dans les programmations qu'il proposait. Et c'est assez étonnant parce qu'il a un certain âge, mais il continue à s'occuper un peu de programmation du festival de Newport. Et si vous avez la curiosité de regarder ce qu'il programme, il y a des choses très intéressantes. Bien sûr. Toujours appel à des jeunes musiciens, des jeunes talents, et je crois que c'est quelqu'un de toujours très ouvert dans ses idées de programmation. Quelle légende, George Wynne. Avec son âge, maintenant, il doit atteindre les 95 ans, quelque chose comme ça. C'est magnifique. Il doit être de 1925 ou 26. Je crois qu'il est la même année que Miles Davis, il me semble. Donc, on le salue si jamais il regarde ça. Et puis, il a tout notre respect pour l'ensemble de son œuvre, pour avoir proposé toujours des artistes tout au long de ces décennies. Jean-Paul Boutelier, on arrive du coup en 1980. Vous avez comme projet d'organiser un festival dans le parc de la Tête d'Or à Lyon, mais malheureusement, le destin en a choisi autrement puisque la mairie de l'époque vous a dit, je cite, le jazz, ça amène une population de drogués et ça nuit au bien-être des animaux. Je me trompe, oui, c'est ça ? Il y avait un parc zoologique. Voilà. Alors, ce qui est curieux, en écoutant votre intervention, en citant ce que vous a dit la mairie de Lyon à l'époque, c'est que aujourd'hui, en 2021, le jazz a quelle image ? Le jazz a l'image d'une musique, on va pas dire élitiste, mais une musique raffinée, recherchée, de classe, etc. Alors qu'en fait, en 1980, ça avait une image quoi, de musique de drogué, c'est ça? Alors on voit le creuset qui a changé au fil des années quand même. L'image du jazz a profondément changé. Oui, j'aimerais bien qu'elle soit totalement changée. Je ne suis pas totalement sûr de temps en temps. D'accord. Mais non, mais c'était. Bon, j'évoque ces souvenirs de façon un peu comique. Mais il y avait d'autres. J'ai d'autres souvenirs, par exemple, c'est que. Par exemple, j'ai le souvenir, ça devait être à peu près dans ces mêmes années, la fin des années 70, la ville de Lyon qui faisait une manifestation qui s'appelait une sorte de paléo à Lyon, et il m'avait demandé un orchestre d'animation, enfin un orchestre, il voulait un orchestre de jazz un petit peu connu, et je leur avais suggéré on avait établi une suggestion sur Lionel Hampton, donc le grand orchestre de Lionel Hampton a été contacté, je ne m'en suis pas occupé puisque j'ai donné les coordonnées, et peu de temps après, le management de Lionel Hampton revient vers moi un petit peu étonné et furieux en me disant « tu nous as donné une adresse, mais ils veulent qu'on aille défiler dans les rues de Lyon et on est payé par un repas que la ville de Lyon nous servira gratuitement ». Donc c'était oui, il y a un décalage. C'était une image, c'est-à-dire que c'était la musique de jazz était un peu une musique faite par des amateurs. C'était pas très sérieux, c'était sympathique, mais ça allait pas beaucoup plus loin. Et par certaines lectures ou par association
dans une certaine, c'est vrai que dans une certaine littérature, notamment la littérature policière, ou dans certains films, le jazz était souvent associé, et notamment les clubs, à des problèmes de trafic de drogue ou de choses comme ça. Et puis on parlait plus des problèmes de drogue d'un tel ou un tel que de son talent musical. Et ce qui me navrait, parce que ça a toujours été, je pense qu'il y a, la drogue a frappé partout, mais je pense que il y avait beaucoup plus de drogue chez les politiciens que chez les musiciens de jazz, si vous voulez. Bien sûr, donc, bien sûr. Mais c'est une image qui était très forte à l'époque. Et oui. Voilà. Par certains côtés, je ne regrette pas que ce soit passé comme ça, parce qu'il y avait, c'est beaucoup plus difficile d'être à l'abri d'influences commerciales et autres dans une ville comme Lyon, mm-hmm. que je l'ai été à Vienne, où j'étais vraiment... Plus indépendant. Bien sûr. Oui. Oui. Alors, en juillet 1980, vous faites la répétition de ce qui sera l'année suivante la première édition de Jazz à Vienne, en organisant la Nuit du Blues, et vous faites quand même venir B.B. King. Ah ben, on avait un programme, c'est les programmes de rêve, puisqu'on avait B.B. King, Muddy Waters et Fats Domino, au même programme. Mm-hmm. Alors, moi, je voulais prouver aussi à la ville de Vienne que c'était possible. Donc, ouais. J'avais quand même établi une programmation. Cette programmation, elle m'a été rendue possible grâce à George Wynne, qui me... Je lui avais exposé mon projet. D'accord. Et il m'avait assuré de son aide. En me disant, bon, je ne veux pas te faire de cadeau, mais s'il y a des soucis, on en reparle, on fait une sorte de revoyure sur les éléments de cachet. Donc il m'a beaucoup aidé pour cette nuit et aussi pour les débuts du festival. Mais on n'a jamais eu besoin d'utiliser cette clause de revoyure. D'accord. Il y avait quand même aussi l'aide de Pierre Domaine, qui était le président de l'association Vienne Action Culturelle, avec qui vous avez organisé cette fameuse Nuit du Blues en 1980. Bien sûr, parce qu'à Vienne, moi j'arrivais pour mon travail, j'étais installé à Vienne, mais je ne connaissais personne. Et il y a trois personnes qui m'ont beaucoup aidé. Pierre Domaine, qui était président de l'association qui était une sorte de comité des fêtes à l'époque, mm-hmm. Jean Gueffier, qui était l'adjoint aux affaires culturelles de Vienne, et puis M. Guy Aimier, qui était le directeur du théâtre et qui s'occupait aussi de programmation l'été, des artistes de variété qui passaient au théâtre antique. Et ces trois personnes m'ont beaucoup aidé pour, on se connaissait, et m'ont fait confiance surtout, parce qu'on ne se connaissait pas, j'aurais pu tomber sur un escroc ou autre chose, mais oui. Vraiment, cette confiance s'est transformée en amitié, et on s'est vraiment été indéfectible pendant des années. Alors, en juillet 81, première édition de Jazz à Vienne, et vous faites venir quand même Art Pepper. Alors, vous avez eu, Jean-Paul Boutelier, beaucoup de flair, parce que faire venir Art Pepper en 1981, en sachant qu'il a disparu un an après, vous l'avez fait venir finalement au bon moment. Écoutez, c'était à l'époque, c'était un de mes musiciens préférés. Oui, oui, ouais. Parce que je l'avais vu à Paris quelque temps avant, et moi j'étais en. Bon, c'était quand on le voyait sur scène, c'était d'une émotion. Oui. L'impression que il allait disparaître après le concert. Exactement. Art Pepper, on avait l'impression qu'il jouait comme si c'était toujours la dernière fois. Et on Exactement. Sentait que il était pressé quand même de donner tout ce qu'il avait. Et on l'entend dans son son. Et puis au plus, on arrive vers la décennie de la fin des années 70 et on ressent un cri dans son jeu au final. Oui, exactement. Ouais. Et c'est vrai que Art Pepper, d'abord, c'est certainement le meilleur souvenir, je crois, tout concert compris de concerts que j'ai organisés à Vienne. Alors certes, c'était la première année, enfin, il y a toujours ce côté émotionnel, mais le concert était fabuleux parce qu'il a été entouré de tas de petites anecdotes plus ou moins dramatiques, mais ça a été assez fabuleux. Alors apparemment, il était un petit peu stressé avant de monter sur scène, avant que Laurie vous rassure en vous disant « Jean-Paul, t'inquiète pas, il a amené sa clarinette, tout va bien ». Mais qu'est-ce qui s'était passé vous, avant vous connaissez bien les choses. Hein. quand il est arrivé à l'aéroport, moi je me souviens parce que j'étais allé le chercher à l'aéroport, et il était très fébrile parce qu'il avait perdu un petit bagage.
Et bon, quand on connaît la vie d'Art Pepper, on peut comprendre ce que ça représentait. Et ce bagage, il était comme il était fou. Il déambulait partout, très nerveux, impossible de le calmer. On monte en voiture, on va à l'hôtel, toujours nerveux. Et en fait, on retrouve le bagage qui avait été pris par erreur dans une autre voiture. Donc, on retrouve le bagage à l'hôtel. Art Pepper se calme petit à petit. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que dans le hall de l'hôtel, il y avait McCoy Tyner qui était programmé le même soir. Et normalement, Art Pepper devait démarrer la soirée. Et McCoy a vu les choses, a vu le manège, il a certainement tout compris. Et il vient me voir et il me dit, ce soir, c'est moi qui commence. Et c'était assez extraordinaire parce que ça voulait dire, bon, il a besoin de se calmer un peu, donc je vais commencer, ça lui donnera du temps pour se rassurer, et même pour vous, d'être plus calme pour l'ouverture de la soirée. C'est des choses qu'on n'oublie pas. McCoy est un personnage aussi assez extraordinaire. C'était pas des amis intimes, hein, McCoy et Art Pepper. C'était pas pour ça qu'il l'a fait, mais je pense qu'il l'a fait pour la beauté de cette musique, pour donner son apport pour aider à l'organisation. C'était des gens comme ça, hein, des gens comme McCoy et beaucoup d'autres musiciens faisaient tout pour que tout se passe bien. Oui, McCoy qui nous a quittés l'an dernier, donc beaucoup de musiciens de jazz sont partis malheureusement en l'espace d'un an. Lee Konitz, Steve Grossman, donc et, McCoy Tyner. Et Chick Corea. Et Chick Corea également, il y a quelques semaines. Oui. Alors, ce qui est incroyable, Jean-Paul Boutelier, c'est que pour la deuxième édition, vous faites venir quand même Ella Fitzgerald et Ray Charles. Alors, pour quelqu'un, on imagine, pour qui c'est le deuxième festival en tant qu'organisateur, comment on s'y prend pour faire venir des vedettes pareilles? Eh bien, écoutez, je vais vous avouer que ça paraît... je n'avais aucun... comment dirais-je, je n'avais aucun doute sur la réussite du festival. Je tiens à le dire parce que je revois des interviews de ma part. Je me dis, mais quand même, tu étais gonflé de dire des choses pareilles. Oui. C'est pas ma nature, je crois, d'être présomptueux. Mais alors vraiment, j'y croyais tellement que j'étais sûr des choses. Et puis, comme la première année s'était bien passée, il n'y avait pas de raison. Et que, de toute façon, un festival, c'est une juxtaposition de grandes stars, de gens qui ont fait l'histoire de cette musique. Il faut de tout pour faire ce monde-là. Et il était indispensable que Ella Fitzgerald, notamment, dont on savait qu'elle ne tournerait pas pendant très très longtemps, vienne pendant qu'elle était encore en état de pouvoir voyager et de pouvoir chanter. Donc on a reçu Ella. C'est comme ça que j'ai connu Norman Green. Parce que à l'époque, c'était pas George Wynne qui s'occupait de ces artistes-là, donc c'est avec Norman Granz qu'on a. D'accord. Et j'ai trouvé aussi en Norman Granz quelqu'un. Vous savez, on s'imagine. Moi, j'ai lu tellement de choses sur ces gens-là où on les accusait d'avoir fait beaucoup d'argent sur le dos des jazzmen, etc. Mais il faut savoir que c'est. Bien sûr, ils ont fait leur vie là-dessus, mais ils ont fait la vie de tous les musiciens aussi, que ce soit Norman ou George Wynne, ils s'occupent des musiciens lorsqu'ils ne sont plus en tête d'affiche. Oui. George Wynne continue à donner de l'argent pour soigner un tel et un tel qui n'a plus un sou pour se soigner aux États-Unis. Et Norman Green, bon, qui a disparu depuis, mais faisait un petit peu la même chose. Il a aidé beaucoup de musiciens. Il faut pas. Et moi, j'ai eu la chance finalement de les connaître. Et Norman Green. J'étais un peu impressionné la première fois que j'ai rencontré Norman Granz. Oui, quelle personnalité il avait, Norman Granz? Il était beaucoup plus simple qu'on ne le pensait. Il D'accord. Était, vous savez, c'est des gens qui ont eu aussi leur heure où ils commençaient à organiser. Donc, quand ils voyaient même les défauts d'organisation, ils ne disaient rien. Ils étaient là pour nous aider. Ils n'étaient pas là pour... J'ai une petite anecdote, si ça vous intéresse, sur Norman Granz. Allez-y, on est là pour ça.
qui m'amuse toujours parce que, donc, juste avant le concert d'Ella Fitzgerald, il faut dire, Ella Fitzgerald, c'était assez cher à l'époque. Hein, ça a été mon plus gros. Avant l'arrivée de Miles Davis, c'était les plus gros cachets. Et donc, c'était assez cher. C'était un peu, bon, il y avait un petit risque, hein, enfin, qui était léger. Et avant le concert, avant l'entrée en scène d'Ella, je vois Norman, je lui dis, ça serait sympa que tu puisses la présenter. Pour moi, dans ma tête, c'était les fameuses présentations Jazz à deux. Oui. Alors, et il me dit, il n'y a pas de problème. Donc, il parlait très bien français. Donc, il rentre sur scène, il présente l'intégrale. Il sort de scène, il vient me voir, il me dit, tiens, à propos, on n'avait pas parlé de mon cachet. Ah. Et là, c'était pas prévu, ça. Le doute me prend. Ah oui. Il voit mon visage blêmir et à ce moment-là, il me tape dans le dos et il me dit, demain, on va manger chez Point. C'était sa façon de enlever les choses. Et c'est lui qui m'a invité. Ah, donc pas mal blagueur alors dans Man Grant. Voilà. Hein, mais ça montre, ça montre quand même que ces gens-là avaient gardé justement cet esprit pionnier. Mm-hmm. Parce que Jazz à Vienne, même la deuxième année, il y avait encore un esprit pionnier. On le voyait à l'état des loges, il n'y avait pas de loge. Enfin, c'est ça. Ah oui, il y avait un côté, pas amateur, mais on improvisait. Bien sûr, quoi. Bien sûr, nos voitures n'avaient pas l'air conditionné. Alors, ça avait beaucoup fait rire. Et la Fitzgerald qui demandait de mettre l'air conditionné parce qu'il faisait chaud. Et on ouvre les fenêtres et on lui a dit « French clim ». Okay. Voilà, okay. C'était des choses comme ça, mais qui finalement passaient très bien. Je pense que les musiciens, c'était pas des. Le système, le rock système est venu plus tard, quoi. Oui. Voilà, on avait encore y avait des rapports humains qui étaient très, très, très forts entre musiciens, organisateurs et tourneurs. Donc, vous faisiez marcher vos réseaux personnels, notamment avec George Vine et puis Norman Grant, pour faire venir ces pointures américaines. Mais il faut dire quand même que l'avantage de Jazz à Vienne pour faire venir ces grandes stars, c'était aussi l'écrin dans lequel il était situé avec ce théâtre antique. C'était pas rare ici, parce que moi j'ai grandi à Nîmes, donc il y avait les arènes, et puis on faisait venir du jazz dans les années 80 déjà, dans les arènes de Nîmes. Mais bon, ça a été ma grande influence, Nîmes, hein, je vous dirais. Ah, d'accord. Oui, moi quand j'ai créé Jazz à Vienne, mon modèle c'était Nîmes plus que un autre festival, parce que je connaissais un peu Laborie. Guy Laborie, vous connaissiez Guy Laborie? Oui, bien sûr. Que d'accord. Je respectais beaucoup et j'ai regretté qu'on n'ait pas été plus actif lorsqu'il a eu les problèmes de ne plus pouvoir organiser le festival, mais c'était quelqu'un de très très attachant. Mm-hmm. Mais c'était mon modèle parce que d'abord c'était un lieu qui pouvait rappeler un théâtre antique, hein, les arènes de Nîmes. Tout à fait. Et puis c'était, moi j'étais plus attiré par sa programmation et il y avait une programmation. Et puis, il aimait provoquer un petit peu. Et oui. Moi, j'adorais ça. Tout à fait. Il avait fait venir Dexter Gordon, il avait fait venir Miles Davis. Il y a eu une époque de gloire dans les arènes de Nîmes, dans le jazz. C'était un très grand festival. Très grand festival. Donc, c'est vrai que le festival Jazz à Vienne avait aussi ce théâtre antique qui, je dirais, suscitait un petit peu la curiosité auprès des artistes pour pouvoir se produire dans un lieu qui, durant l'Antiquité, avait du théâtre, avait de la musique, etc. Ouais. Je vais vous avouer que Vienne était plus connue pour Fernand Point que pour son théâtre antique. Oui, c'est ça, tout à fait. Et qu'auprès des musiciens, enfin de certains musiciens, ils étaient plus attirés par le fait de pouvoir loger ou être reçu au restaurant Fernand Point. Alors, pour ma part, lorsque je suis venu au festival Jazz à Vienne pour la première fois, c'était en 1997, j'avais vu, lors de cette soirée-là, en première partie, Martial Solal avec Gary Peacock et Paul Mossian. Ouais. À l'époque, ils avaient sorti un album qui s'appelait Just Friends. Très beau concert. Et en deuxième partie, j'avais eu le plaisir de voir Herbie Hancock avec sa formation. Donc, c'était quand même pour montrer le calibre de la programmation de Jazz à Vienne en proposant des artistes qui proposaient un jazz très contemporain et puis en même temps une pointure comme Herbie Hancock dans la même soirée. Et alors, ce que j'avais ressenti moi en tant que spectateur à cette époque-là, c'est que, eh bien, en ayant grandi à Nîmes, à l'école, on m'apprenait qu'à l'époque de l'Antiquité, dans les arènes,
les personnes de l'Empire romain venaient donc dans l'amphithéâtre comme pour passer la journée, pour y voir des jeux, pour y voir un spectacle tout au long de la journée. Et j'ai retrouvé cette sensation-là dans le théâtre antique de Vienne parce que je voyais des scènes de vie autour de moi, je voyais des enfants jouer, je voyais des familles avec une grand-mère, des parents, des enfants, tout ça dans ce théâtre antique. Et je trouve que la particularité de ce festival, c'est d'avoir recréé comme ça une espèce de jeu romain d'il y a 2000 ans, voilà. Ben c'est sympa de les. Alors, c'est des choses qui étaient faciles, enfin, faciles, c'est-à-dire garder cette ambiance familiale un petit peu, qui sont de plus en plus difficiles maintenant, parce qu'avec les mesures de sécurité, et ne parlons pas des problèmes du Covid qui vont maintenant nous perturber l'organisation des spectacles s'ils reprennent, c'est des choses qui vont un petit peu entacher tout ce côté convivial des spectacles. Jean-Paul Boutelier, pendant toutes ces années dans lesquelles vous avez fait venir énormément de musiciens, est-ce qu'il y a des musiciens dont vous n'avez jamais pu faire venir ? Il y en a quelques-uns, oui. Enfin, celui qui me vient à l'esprit le plus immédiatement, c'est Jim Hall, le guitariste Jim Hall, qui ne voulait pas tourner l'été parce qu'il trouvait qu'il faisait chaud et que passer d'un aéroport à un autre aéroport le lendemain, ça ne l'intéressait pas. D'accord. Et puis j'ai eu la même déception avec Bob Brookmeyer, mais bon, voilà, c'est les deux noms que j'ai comme ça immédiatement en tête. Ah, Bob Brookmeyer, vous auriez peut-être pu le faire venir en 98 avec Michel Petrucciani lorsqu'ils avaient sorti le disque qu'il avait arrangé pour Michel Petrucciani. Mais il ne tournait pas. Il ne tournait pas. Eh oui, il restait. Et lui aussi, il voulait pas, ça ne l'intéressait pas de faire ses tournées d'été, ça ne l'intéressait pas. Bon, ça en fait que deux, c'est quand même une bonne moyenne, ça va. Oh, il y en a d'autres. Mais là, vous me demandez comme ça, à brûle pour point. Jim Hall, j'ai vraiment essayé souvent. Bob Brookmeyer, je voulais le faire venir avec l'orchestre de Thad Jones Mel Lewis, pour lequel il avait réalisé beaucoup d'arrangements, mais ça n'a pas été possible non plus. Alors, il y a un souvenir aussi avec un musicien qui vous tient à cœur, c'est la venue de Chet Baker. Au festival de Jazz à Vienne, lorsqu'il sort de voiture et que en 5 minutes il monte et puis commence à jouer la première note, tout est cadré, tout est nickel, comme s'ils avaient fait la balance auparavant, alors que c'était pas du tout le cas. Ça, c'était du Chet pur et dur. Oui, et puis il rentre sur scène, les gens n'ont pas eu le temps de se taire, mais tout d'un coup il y a une sorte de silence respectueux. Extraordinaire. Enfin, comme quoi, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient trois sur scène. Et c'est assez étonnant. C'est des choses moi, qui m'impressionnent toujours. Lui, ça ne l'impressionnait pas. S'il était... Malheureusement, on n'a pas pu reproduire son retour. Est-ce que vous aviez gardé des enregistrements audio du passage de Chet Baker et de Art Pepper en 81? Alors, j'ai des enregistrements, oui. Mais qui était, oui, c'est des. J'ai deux types d'enregistrements, ce qu'on appelle les enregistrements sur la sono. Hein. Ouais. Et puis, j'avais toujours, enfin, pendant très longtemps, j'avais des copains qui continuaient à enregistrer sur leur matériel dans la salle. Mm-hmm. Ils arrivaient à faire des choses d'ailleurs assez étonnantes, et notamment le concert d'Art Pepper, j'ai un enregistrement qui est même meilleur que l'enregistrement sur la sono. D'accord. Parce qu'en plus, il y a l'impression de la salle. C'est un petit trésor, ça. On espère qu'un jour, pourquoi pas, les gens pourquoi puissent pas. Vous savez, moi, je suis intéressé parce qu'il y a un label qui s'appelle Résonance, que vous devez connaître, qui est un peu spécialisé dans l'édition de concerts un peu historiques. Voilà, on est en contact, donc... il se passera peut-être quelque chose. Bien sûr, surtout qu'un concert d'Art Pepper en juillet 81, c'est vraiment les derniers, et donc ça permettrait de voir un petit peu les derniers concerts avant sa disparition. Jean-Paul Boutelier, est-ce qu'il y a dans toute votre carrière, je dirais pas des regrets, mais des choses que vous auriez peut-être fait différemment avec le recul ? Oui, bien sûr, c'est pas... il y a des choses. Bon, alors d'abord, c'est des concerts. Alors je ne l'ai pas fait direct. J'avais rêvé de faire rencontrer Count Basie et Duke Ellington sur la même scène. Recréer le fameux Battle Royale.
J'étais même allé assez loin puisque j'avais contacté à l'époque, c'est bien avant la création du festival ce dont je vous parle. D'accord. Duke est décédé en 74. J'avais même contacté le management de Count Basie qui était assez d'accord pour qu'on essaye de faire quelque chose. Surtout que, pardon, excusez-moi de vous couper, mais la programmation 81 était basée sur un hommage à Count Basie en plus. Oui, bien sûr. Oui. Ce rêve, je voulais le faire au Théâtre Antique de Lyon, vous voyez. D'accord. Tout était organisé, ce n'était pas dans un cadre de festival, c'était un concert où on aurait loué le lieu. Et donc, je n'ai pas pu le faire parce que les intéressés, enfin Duke d'abord et Kant un peu après, ont disparu. Mais j'ai réussi quand même à refaire mon rêve puisqu'on a fait ce Battle Royale avec l'orchestre de Mignard et un autre orchestre qui représentait Count Basie. Et donc ces deux orchestres se sont rencontrés sur le répertoire de Battle Royale et le disque est sorti chez CBS d'ailleurs de ce concert. Et pour moi, c'était une sorte de réalisation d'un vieux rêve un peu enfantin, un peu puéril. Mais ces deux orchestres représentaient tellement pour moi que j'avais envie de les... Alors les autres regrets, c'est aussi de pas pouvoir... Enfin, c'est pas facile de temps en temps d'organiser ce que l'on veut, notamment introduire la danse à l'intérieur d'un concert de jazz. Bon, on a fait quelques tentatives, mais c'est pas... Moi, je regrette un petit peu. Et puis, on a fait des créations, mais je regrette qu'on n'ait pas pu faire plus de créations. D'accord. C'est dur de faire des créations, ça prend du temps, c'est un peu un métier différent. Il faut on a fait Carmen en totale création, et c'est là où je me suis aperçu que une création, ça demande des directeurs artistiques, etc., et qu'on peut pas s'improviser comme ça soudainement au directeur artistique. Il manque quelque chose, il manque une professionnalisation. Et ça, je regrette de ne pas avoir fait plus de créations, de rencontres, de choses comme ça. Alors, Jean-Paul Boutelier, je vais me lancer un petit exercice, si vous voulez bien, en vous disant une série de noms d'artistes qui sont venus à Jazz à Vienne. Et si vous avez quelques anecdotes à nous raconter sur ces musiciens-là, on les prend avec bonheur. Donc, on va commencer avec l'une des grosses stars des années 80, c'était Miles Davis, bien sûr. Comment ça s'est passé, la venue de Miles Davis à Jazz à Vienne? Bah écoutez, ça s'est toujours bien passé. On a raconté tellement de choses sur Miles qui sont fausses. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Moi, j'avais eu le privilège de connaître Miles bien des années avant, parce qu'on avait co-organisé un concert à Lyon à la fin des années 60. D'accord. Où il était avec Correa, Devil Land, etc. Et j'étais allé chercher Miles à l'aéroport, en voiture. Oui. Et je commence à vouloir parler avec lui et je lui parle de Charlie Parker comme d'habitude. Ah oui. Et il ne m'a pas répondu et il a mis le poste de radio à fond. Ah bon? Pour me faire comprendre que finalement... Ah, il y a une dame qui est derrière vous. Il y a une dame qui est derrière vous. Donc, oui. il m'a fait comprendre... Oui, c'est mon épouse qui rentre et qui n'était pas au courant. Non, oui, d'accord, très bien, pas de problème. Mais elle est masquée, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, et vous avez dit Charlie Parker, vous parliez de Charlie Parker, parce que moi, j'aurais fait la même chose hein, si j'étais à votre place. Hein. Et au lieu de vous répondre sur sa période avec Charlie Parker, il a augmenté le son, il ne voulait pas parler de Charlie Parker. Il n'a pas répondu pour me montrer qu'il n'avait pas envie de parler, il a monté le son. Alors, j'étais resté un peu sur cette impression. Et quand je l'ai revu un peu plus tard, je suis tombé sur un personnage très attachant parce que il était, c'était un vrai musicien de jazz, Miles Davis. C'est-à-dire que chaque fois qu'il venait, il me demandait le programme et il commentait les musiciens qui étaient programmés. Ah oui, d'accord. Et j'ai un souvenir, par exemple, un jour, il était là et il y avait Jazz Johnson qui était programmé le lendemain. Ouais. Il dit, mais il est dans le même hôtel. Je lui dis, ben non, il n'est pas dans le même hôtel. Ah, je peux lui, parce qu'il était déjà arrivé. Ouais. Je peux lui téléphoner et j'ai assisté à la conversation. Ah oui. Je crois qu'il ne s'était pas parlé depuis au moins 20 ans ou 25 ans. Ah, génial. Et une conversation entre eux comme s'ils avaient joué la veille dans un club. Ben oui. C'est terminé par Miles qui dit à JJ,
demain, tu prends une petite laine parce que je me souviens que tu avais toujours froid et il ne fait pas toujours très chaud au Théâtre Antique. Et ben, ça, ah oui. C'était une image qui avait disparu de Miles parce que certains journaux parlaient de tas d'autres choses. Tout à fait, avec une image un peu déviée de la réalité. J'avais un autre souvenir assez drôle, on avait fait une conférence de presse avec toute la presse parisienne était descendue, etc. Un peu bling-bling, avec Miles, la conférence de presse avait eu lieu à Lyon. Et il sort de conférence de presse, on rentre en voiture sur Vienne, et il me dit, je ne comprends pas, ils m'ont parlé de voiture, de femmes, de couture, de peinture, d'autres choses. Il n'y en a pas un qui m'a parlé de musique. Ah oui. Et moi, il m'ajoute, moi je suis musicien. Ben oui, oui, c'est vrai. c'était ça, Maïs. Je pense qu'on l'a un peu oublié parce que il a toujours été très très sympa avec nous. Et puis il aimait beaucoup le foie gras de Patrick Andréoux, la pyramide. Voilà. Ah, très gourmet alors. Oui. Un autre qui devait être très gourmet, très gourmand, c'est Dizzy. Vous devez avoir plein d'anecdotes sur Dizzy. Oui. Alors c'est plus vieux. Enfin, Dizzy. Il n'était pas forcément gourmand ou gourmet de la pyramide. Il aimait d'autres choses. Et à l'époque, il venait manger à la maison, en fait. Et on connaissait ses goûts, donc on lui faisait du poisson, parce qu'il adorait le poisson. Mais ce n'était pas quelqu'un qui aimait aller dans ces restaurants un peu chic et guindés. Ce n'était pas son truc. Mais Dizzy, alors lui aussi, sur les premières fois que j'ai vu Dizzy, moi je lui ai parlé de Charlie Parker aussi. Alors lui, il a pas augmenté la radio, et il m'a répondu, il m'a dit, si tu savais le nombre de concerts que j'étais obligé d'annuler ou ça m'a coûté de l'argent parce qu'ils n'étaient pas là. Ouais. C'est peut-être pour ça que Miles Davis ne voulait pas en parler, parce qu'il devait peut-être nourrir la même rancœur. Mais Dizzy, c'était un personnage, moi j'adorais Dizzy, c'était un personnage très généreux, adorable, sympa, et puis quel musicien, quel meneur de... J'aurais des tas d'anecdotes sur Dizzy. Bien sûr, ouais. Il faudrait faire une émission seule avec Dizzy Gillespie. Claude Nougaro aussi, bien sûr, à son affinité avec le jazz, évident. Je vais citer ce qu'il avait dit au public quand il est venu. J'ai deux choses à citer d'ailleurs, Claude Nougaro. Peut-être que la première fois que j'ai voulu faire venir Claude Nougaro, je voulais faire un spécial Claude Nougaro, donc en invitant tous les anciens musiciens avec qui il avait joué, etc., etc. Donc on se donne rendez-vous chez son impresario à Paris. Claude était là avec sa femme, et je lui expose le truc, et son impresario lui dit, non, écoute Claude, tu ne vas pas faire ça, tu viens de sortir un disque, il faut défendre ton disque, donc les tournées de cet été, c'est pas ça, hein, ce n'est pas des amusements comme ça, il faut penser à ton disque. Hein. Et Claude ne répondait pas, il était là, son jeu. Et à un moment donné, c'est sa femme qui intervient, il dit, mais Claude, pour que je te dise rien, tu as envie de le faire? Alors Claude dit, oui, j'ai envie. Ben alors fais-le. Et c'est comme ça s'est fait, et l'impresario était furieux, bien sûr, qu'on ait décidé de cette soirée. Et au cours de cette soirée, quand il est rentré sur scène, avec le Théâtre Antique qui était plein, avec toute la couleur du public, et il a dit qu'il était impressionné par ce mur d'humanité. Je me souviens encore de cette parole qui était très chouette. Il avait le chic pour les expressions et jouer avec la langue française comme personne. Hein. Alors je le dis sans l'accent toulousain, mais avec l'accent toulousain, c'était encore plus beau. Il était avec le pianiste Maurice Vander en plus, j'imagine. Bien sûr, oui. Ouais, mais il y avait tout le monde. Il y avait Le Coude, ils étaient tous là. Quelle belle soirée ça devait être. Ouais. James Brown. Il est venu à Jazz à Vienne aussi. Il est venu, oui. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous citer comme anecdote, James Brown? Une petite anecdote un peu personnelle. Ouais. À un moment donné, il était dans les loges. Et puis, il me demande, il me dit, est-ce que tu peux venir avec ta femme? Alors, bon, j'arrive. Et il voulait me présenter sa femme. Et il voulait que je lui présente ma femme. Et nous étions dans les loges, sous la scène, en train de faire cette opération mondaine. Ce n'était pas mondain du tout, mais qui était un peu ridicule, un peu hors du temps, à se présenter. Alors, je tiens à dire que je traite mieux ma femme que lui n'a traité la sienne. D'accord. D'accord. Keith Jarrett, on pense à lui parce qu'il a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il ne pouvait plus jouer au piano, malheureusement. Et donc,
Pas trop insister. Tim Ferret, c'était quand même quelqu'un, pour un organisateur, c'est une... Compliqué. Très, très compliqué, oui. Beaucoup d'exigences. Oui, beaucoup de choses, mais nous n'en dirons rien par respect du talent de ce pianiste. D'accord, très bien. Et puis un petit mot sur Chick Corea. Aussi, évidemment. Ah, Chick Corea, moi c'était quelqu'un que j'adorais parce que, à tout point de vue, il était très, très ouvert, très, très sympa, très à l'écoute, très. Et aussi musicalement, parce que moi j'ai jamais vu Corea faire le même concert. Vous savez, oui, quand on a l'habitude, Corea, il a dû venir 15 ou 20 fois, comme Hancock ou comme d'autres. Il y a beaucoup de musiciens, on voit qu'il y a des sortes de redites. Corea, c'était jamais la même chose. Et il avait quelque chose de différent. Il avait un souci artistique qui était très très fort. Puis c'était vraiment quelqu'un de très attachant. Vous savez, les deux, je vous ai parlé de McCoy tout à l'heure, McCoy et Chick Corea, moi je les mets un peu sur le même plan parce que c'était vraiment des gens qui étaient très, pour un organisateur, c'était des gens qui étaient, c'était apaisant pour nous de faire des concerts avec eux, c'était extraordinaire. On n'avait pas de, on retrouvait une paix intérieure et avec leur musique, bien sûr. Jean-Paul Boutelier, vous disiez tout à l'heure que vous aviez passé pas mal de soirées avec beaucoup de musiciens à la maison. Vous devez avoir passé des soirées jusqu'au petit matin avec pas mal de musiciens qui sont restés chez vous, j'imagine. Oui, alors ça, c'était les débuts parce que on n'avait pas de catering et tout se passait à la maison. Donc, tous les musiciens venaient dîner à la maison le soir. C'était assez extraordinaire. Il y avait des rencontres et puis... je sais pas, mes enfants conservent peut-être pas forcément. Oui, c'est ça. Mais non, c'était très très sympa. On a des souvenirs. Mais moi, j'ai toujours été relativement discret parce que je voulais respecter un peu leur. Vous savez, les musiciens qu'on invite chez soi comme ça, pour eux, c'est aussi important parce que au cours d'une tournée, c'est très impersonnel les tournées pour eux. Et finalement, se retrouver dans un cadre familial. Même si ce n'est pas le leur, je trouve qu'ils sont toujours très heureux et de venir, même s'il y avait souvent beaucoup de monde, mais venir dîner chez des particuliers, etc., venir discuter en écoutant des disques, à la maison. Moi, j'ai une petite anecdote d'ailleurs, si ça vous... parce que moi j'ai toujours été touché par ce. Il y avait Sly Danton une fois. D'accord. Et le tromboniste, bien sûr. J'adorais les disques de Sly Danton, donc il regarde dans ma discothèque et il m'en manquait un. Il me manquait un disque que je n'arrivais pas à trouver. Enfin, c'était un vinyle. Et l'année suivante, il est revenu parce qu'il venait souvent dans différents groupes, pas forcément sous son nom. Et il m'a apporté ce vinyle. D'accord. Quel beau cadeau! C'est magnifique. Ah, oui. Et puis surtout d'avoir eu l'obligeance de se souvenir de se souvenir qu'il vous manquait ce disque. C'est quand même, cette musique, elle transporte quand même beaucoup d'humanité. C'est la base du jazz, c'est de pouvoir avoir cette vocation humaniste première et de communier à travers ces concerts qu'on a vus à Jazz à Vienne pendant toutes ces années. Jean-Paul Boutelier, Jazz à Vienne, c'est l'œuvre de votre vie. Et d'ailleurs, vous parliez des débuts avec ces musiciens de jazz qui terminent les soirées chez vous à manger à la maison. Et quand on voit que maintenant, c'est un festival qui brasse plus de 200 000 festivaliers 40 ans plus tard, quel regard on porte sur l'œuvre accomplie comme ce que vous avez fait? Oh, je me suis jamais trop. Comme je vous l'ai dit, j'avais aucun doute. Donc, c'est un peu présomptueux ou orgueilleux, je ne sais pas. Mais j'avais aucun doute. Et je suis. Moi, ce qui m'importe, c'est que ça continue, même si les choses changent forcément. Le public n'est pas le même, les musiciens ne sont pas les mêmes. Et les programmations sont à la fois. Il y a des choses qui sont à la fois plus simples de faire, mais aussi plus compliquées, parce que. Moi, à l'époque, on avait un éventail de musiciens, on choisissait avec son plaisir, en quelque sorte. Ouais. Oui. Bon, maintenant, c'est un peu différent. On est beaucoup plus dépendant des tournées, certains systèmes, etc. etc. Bon, c'est autre chose.
personnellement, je pense que c'est un peu. Enfin, j'y prendrais moins de plaisir, si vous voulez. Oui. Mais l'essentiel, c'est que le public s'y retrouve. Bon, moi, Bien sûr. c'est pas, on ne fait pas un festival pour faire plaisir aux organisateurs. C'est sûr. Vous avez été quand même le premier à faire des thématiques comme All Night Jazz, de faire du jazz toute une nuit comme ça. Ça n'avait jamais été fait. Vous avez quand même innové, proposé des choses nouvelles. J'ai copié Claude Nobs. Vous avez copié Montreux, alors. Oui, je ne me suis jamais caché. Non, parce que Claude Nobs avait fait une nuit complète. Moi, j'y étais d'ailleurs à cette nuit complète. C'était un an avant ce qu'on a fait à Vienne. J'étais allé à cette nuit, qui se terminait d'ailleurs, j'ai le souvenir du dernier groupe, c'était des percussions japonaises. C'était terrible de finir une nuit sur des percussions japonaises. C'était presque une horreur. Et Claude Nobs n'était pas du tout content de ce truc et il m'avait dit « je ne referai jamais ». C'est compliqué, ça coûte de l'argent, etc., etc. Et puis finalement, ben, moi ça m'a donné tellement envie, j'ai trouvé ça tellement génial. Et le fait de pouvoir voir le lever du soleil sur une scène encore occupée par le festival. Et finalement, ça a assez bien fonctionné et ça continue toujours, il y a toujours une ambiance folle pour cette dernière nuit, et j'en suis très, très, très content. Jean-Paul Boutelier, on arrive quasiment à la fin de cette émission. Est-ce que vous voulez conclure sur un message personnel ou quelque chose, une impression ou... Le message que je peux passer, c'est que les conditions actuellement de cette crise sanitaire ont freiné beaucoup de choses. C'est malheureux pour le public, c'est malheureux pour les festivals, mais c'est surtout malheureux pour les musiciens. Et il faut qu'on pense à eux. Je crois que bien souvent, on les oublie. Moi, je vois les rencontres d'organisateurs avec le ministre, etc. On ne pense pas aux musiciens. Les musiciens, c'est un peu désespérant parce que même s'ils peuvent avoir des indemnités en tant qu'intermittents ou autre chose, il n'empêche qu'ils ne jouent plus. Bien sûr. Ils ne jouent plus. Si c'est pour jouer devant des... sans public, sans rien du tout, c'est dramatique. Ils ne jouent plus en club. Ils jouent... Et ça, c'est... il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Le live, surtout dans cette musique, c'est primordial. Mm-hmm. C'est primordial. Et il faut penser vraiment à eux et faire en sorte que les prochaines manifestations, ils ne soient pas oubliés seulement au profit de grands stars ou de grands systèmes, si vous voulez. Il faut vraiment que tous les musiciens puissent participer à cette renaissance de pouvoir jouer devant leur public. Tout à fait. Jean-Paul Boutelier, vous avez raconté beaucoup d'anecdotes pendant cette émission. Je vais vous en raconter une, moi, parce que quand j'étais adolescent, j'ai aimé le jazz grâce à un programme à la télévision qui s'appelait Jazz 6, pour lequel vous avez été invité. C'était Claude Adler qui présentait ce programme. Alors, je me levais la nuit, en étant collégien, pour mettre ma cassette dans le magnétoscope pour enregistrer Jazz 6 et écouter et voir les concerts le lendemain de Jazz à Vienne, à l'heure du goûter quand je rentrais. Et c'était mon plaisir, mon bonheur personnel d'attendre la fin des cours pour venir voir les concerts qui avaient été diffusés sur Jazz 6. Et ma culture musicale vient, entre autres, de tous les concerts que vous avez pu organiser et que j'ai pu voir à Jazz 6. Donc pour ça, je vous en remercie beaucoup. Ça me touche beaucoup ce que vous dites parce que... Philippe Adler s'est beaucoup investi dans cette émission. Nous, on était très présents parce qu'on a dû faire, on devait faire passer à peu près une cinquantaine d'émissions par an sur cette chaîne. Mm-hmm. Et il y a une autre personne que je tiens à souligner pour cette chose, c'était Pierre Bouteiller. Nous n'avons aucune, mm-hmm. d'ailleurs, les noms, c'était le lien familial. Mais qui était le producteur et qui nous a beaucoup aidés à faire cette émission avec Philippe Adler. C'était une émission qui était entièrement payée par la publicité de M6, quand même. Mmh. Les musiciens étaient... D'accord. Les droits étaient... Tout était... Et on a pu faire des choses formidables dans cette émission qui aussi nous a aidés dans la notoriété du festival. Et ce que vous dites, je sais que beaucoup le faisaient. Ça passait tard le soir, mais beaucoup... Très tard. Et à l'époque, les droits publicitaires... De l'époque était assez fort dans cette tranche horaire qui était la plus rare. Ça paraît idiot de dire ça, mais l'audimat était très fort à cette heure-là. D'accord. Les gens regardaient peut-être pas en direct, mais ils enregistraient.
Et c'était comptabilisé dans l'audimat. Oui, oui. Et ce système de production a permis chaque année de filmer lors du festival tous ces concerts et de rémunérer. Exactement, c'est ce qui nous a permis de mettre en place les écrans au Théâtre Antique, de filmer l'ensemble, parce que bon, tout ne passait pas, mais on a filmé l'ensemble du festival, et pour nous, ça a été une grande joie de pouvoir faire ça. C'est grâce à M6. Alors malheureusement, le PDG de M6 a changé à un moment donné, et Nico a décidé il fallait être jeune. Donc ce pauvre Philippe Adler était obligé de se teindre les cheveux, et c'est véridique, je vous dis, c'est quand même dramatique, et on a considéré que le jazz était une musique de septuagénaire, voire d'octogénaire, donc ils ont remplacé ça par... C'est triste. Non, si encore ils avaient remplacé ça par autre chose, mais ils ont remplacé ça par rien du tout. Bon, il y avait les chaînes de la TNT ou du câble donc, qui commencent maintenant, même pas. Il n'y avait pas les chaînes Mezzo, tout ça qui commence à arriver. C'est pas pareil. Parce que je pense qu'on était, très honnêtement, on faisait les choses assez librement avec Philippe Adler, c'est-à-dire qu'on choisissait les programmes. Oui. On se concertait ensemble. Et le producteur qui était Pierre Bouteiller nous laissait la totale liberté de pouvoir faire les choix qu'on... Donc, c'était pas forcément du jazz très commercial qu'on passait. Non. De toute façon, à Jazz 6, il y avait soit les émissions de la BBC des années 60, qui étaient exquis d'ailleurs. Hein. J'ai adoré de voir ces programmes de Bill Evans, etc. Soit les concerts de jazz à Vienne de l'année passée, de l'été passé. Oui. C'était ça. Voilà. Voilà, on arrive à la fin. Merci d'avoir rappelé ce souvenir, parce que pour moi, c'est... Non, d'ailleurs, je tenais à faire cette émission avec vous pour vous remercier pour l'ensemble de votre œuvre et pour avoir soutenu le jazz et l'aider à le diffuser au plus grand nombre pendant toutes ces années. Et en étant amateur de jazz, je vous en remercie pour ça. J'en serai éternellement reconnaissant. Arrêtez un peu, je vais le croire. Je voudrais remercier également Claire Gaillard, qui a permis de nous mettre en relation. Et puis, ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, Paul Bouteiller. Et merci beaucoup. Et puis, longue vie au Festival Jazz à Vienne. Merci, moi aussi, le plaisir était partagé. Merci, au revoir. Au revoir.